Regarde, ma flèche, elle est quoi, écoute, depuis 10 ans. Regarde, le bel homme, John Medica. En réalité, là. Oh, mais tiens, là. Ton pasteur, là. Il est pasteur. Il sait que Dieu ne regarde pas le cœur. En bas, le corps, parce que je suis de ronfler. Il sait que Dieu ne regarde pas le cœur. En bas, le corps, parce que je suis de ronfler. Laisse-moi te poser une question. Mais pas qu'on finit, là. Est-ce que. Toi, tu peux avoir une maison. Il est resté qu'à fond dans ce roi. Après coucher. Et il est là. Et puis, tu étais propre. Maintenant devant ta maison, il y a caca de poule. Si c'est quoi, on paye. Caca de poc. Caca de poc. Pourquoi tu peux obéir? L'eau de caniveau à sa passe. Caniveau, j'y mets mes cadres. Tu vois ce pain. Il va s'annouiller. Tu vois les chenilles. Il va se faire. Ils ont chié. Devant ta maison, c'est sale. On dirait décharge. On dirait peur de ma boyora. Maintenant devant la maison, c'est ça qui est sale. Il a bon dans le dans la maison. Il a bon quoi là. Mais propre à Saint-Yamba. Comment tu vois dedans brille comme ça. Il va à Manamanani. Comme tu es devant ici. Il est là. Et puis tu vois par où là ça brille. Il a carré de briller. Dedans sans bon. À Kassa t'as dit bon là. Laisse-moi te poser une question. Mais il y a maintenant. Tu es sûr que si moi il est. Non, non, non. Il peut rentrer dans la maison là. Mais t'as deux bon là. Amen. Amen. Même si t'étais un propre. Si dans ta maison est propre, à cause de la saleté qui est juste devant là seulement, à cause de poubelle qui est juste devant là seulement, à cause de caca qui est juste devant là, à cause de l'eau sale qui est juste devant là, à cause de caniveau qui est juste devant là, à cause de hauteur qui m'a frappé, il ne peut pas avoir le courage de rentrer dans la maison. Amen. 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 J'ai pris un exemple terre à terre. Non, non, mais il faut y aller tout le matin. Dis à toi. Toi, tu dis que Dieu regarde le cœur. Il va me croire, mais ça va être Jésus qui regarde le cœur. Il ne peut pas venir un coup. Attends, c'est quand on a signé quel est. Amen, tu vas regarder dans ton cœur. Avec du souffle. C'est impossible. Ok, tiens. Bien aimé. Maman. Laisse-moi te dire. Laisse-moi qu'elle finisse. Tu regardes ton corps. Avec une farine plaie d'oran. Tu regardes Théo d'abord. Avec un mal à l'éclaphone. Est-ce que Théo la main c'est propre? Est-ce que Nicolas n'a pas saleté? Est-ce qu'il n'y a pas saleté? Est-ce que ça te n'y aura pas? Et puis maintenant, il rentre dedans. Et puis après, Dieu connaît dans l'instant. Amen. Amen. Bien aimé. Maman. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'il va faire mal? Donc toi, chrétien. Il est chrétien. Ils ont arrêté de te plaguer. Et quand il n'y a pas. Ils ont arrêté de te mentir. Et quand il n'y a pas de blague. Ceux qui disent que Dieu regarde le cœur là. Non, mais encore, ma sable, je suis dans le plein. Vous laissez le problème. Oh, attends, non, ça fonctionne. Si Dieu regardait le cœur seulement. Non, mais je suis dans le plein. Il voulait mettre cœur là, il voulait dessiner cœur sur toi. Je suis le cœur d'Aran. Il veut mettre tête là sur cœur. Il veut mettre bras sur cœur. Il veut mettre pied sur cœur. Et puis tu allais vivre comme ça. Mais s'il a créé ton corps, c'est parce que ton corps là, c'est une importance. Il dit dans sa parole. Que votre beau corps là. Il veut farine. Et le temple du Saint-Esprit. Allez à Caponner. Madame, tu n'as jamais entendu cette parole. Il m'a dit animé. On dit toi ton corps là. Il est farine. C'est le temple du Saint-Esprit. Massac à bonne époque, il est farine. Bien aimé. Madame. C'est parce qu'il ne peut pas dormir dans la maison en ciment. Parce que tu as de bon ciment. C'est pour ça qu'il dit toi ton corps là. À cause il est couille farine. C'est son temps. Allez à Caponner. Il ne peut pas dormir. Attends ici. Dans la maison où ça toi coup. À cause Dieu est un temps de bon. Où ça tu dors, puis tu prends chigom et puis tu fermes le trou. Il bien chigom ta date bon ou trou. Il peut pas dormir dans la maison. Allez c'est cassé au poton là. C'est pour ça il dit toi ton corps là. À quoi ça il est parti. C'est son temps. Ah ouais à Caponner. Mais quand tu te lèves. Ni où là ce roman. Et puis tu dis Dieu te regarde le cœur. Il compte ma sable du sud dans le flet. Bon, donne toi ton cœur là. Il est quand il est du sud. Tu donnes ça à Dieu. Il va dire ma sama. Maintenant ton corps là. Il farine. Tu donnes ça au diable. Il va dire c'est tellement. Tu sais partager. Il va cette langue là derrière. Tu sais bien partager. Il va cette langue là. Laisse-moi te dire. Mais pas finir là. Quand tu te lèves. Ni où là. Et puis tu t'en vas au travail. Il va ta baraquero là. Quand tu t'en vas au travail. Il va ta baraquero là. Arrivé au commerce là. Il sera baraquero là. Tu n'avais même pas le projet. Fanga tu dis pas tu dis qu'on a. Payer quelque chose. T'as fait de ça. Tu n'avais même pas l'intention. Il faut que tu fais rien tout à l'heure. De payer quelque chose. T'as fait de ça. Dans ta tête là. Il couvre là. Depuis la maison. Depuis ce qu'on a. Tu t'en vas au travail. Il va ta baraquero là. Mais quand tu as passé au commerce. Il sera commerce là. Tu as vu une jolie robe. Il a une robe chemin. Tu as vu une belle chemise. Il a chemin chemin d'ailleurs. Ça là, c'est parce que ton cœur aimé. Parce qu'à Djaré, je suis. Tu dis chemise ça là. Ni chemise nous connaît. Ça me plaît. À Kadinyede. Bien aimé.
Quelque chose qui te plaît là. Automatiquement ça vient de ton cœur. Amen. Amen. Tes pieds ne peuvent pas faire et puis quelque chose va te plaire. C'est impossible. Tes bras là, ça ne peut pas faire et puis quelque chose va te plaire. C'est ton cœur qui apprécie quelque chose. Une fois que ton cœur a validé là, le résultat sort. Il va plaire. Tu regardes. Il va plaire. Tu regardes. Il va plaire. Tu regardes. Il va plaire. Et puis tu demandes le prix. Il va se moindre niga. C'est parce que ton cœur a aimé. Parce que Jara est juste le. C'est pour ça que tu as demandé le prix. Parce que au conseil qu'a juste. Le chrétien. Tu dis Dieu regarde le cœur là. Il va encore dire mais ça veut juste le plaire. Les mèches que tu mets sur toi. Il va mèches me donner. Les fossiles que tu mets sur toi. Il va fossiles me donner. C'est parce que ton cœur a aimé ça. Parce que Jara est juste. C'est pour ça que tu as mis sur toi. Au conseil qu'a blé le camp. C'est clair. Actionné. Amen. Amen. Quelqu'un peut pas venir. Et puis faut mettre sur toi. Il va accueillir le camp. Tu as refusé. Il va monter son. Mais si toi ton cœur veut. Mais je suis là, derrière du sable. Et puis tu mets sur toi. Il va se camp. C'est comme rien même. Jusqu'à même tu as trouvé agrément. Il va sur le. Et puis tu as dit que si c'est fini là. Il allait me laver. Pourtant quand lui il est venu te dire. Faut prendre ça, faut mettre sur toi. Tu n'as pas dit que si c'est fini là. Il m'a fait une banane. Et allez me laver. Parce que ton cœur n'a pas voulu. Amen. Amen. Donc toi chrétien. Il est chrétien. Tu dis Dieu regarde le cœur. Il est comme ma je suis venu sur le fleuve. Laisse-moi te dire. Le cœur là c'est en dernière position. Je suis ta première position là. Première position est mienne. C'est ton corps d'abord. Il farit d'abord. Et puis il regarde le cœur. Mais tu me dis. Il est quoi? Que Dieu regarde le cœur. Avec Jésus dans le fleuve. Quand tu es jaloux là, ça vient d'où? Ni nyamboya be bora be buy biroj manam. Quand tu es aigri là, ça vient d'où? Ni dimi bi la be boy roj manam. Quand tu critiques là, ça vient d'où? Ni ba mo koro fa be boy roj manam. Amen. Amen. Quand tu es la convoitise, ça vient d'où? Ni mo femme un quartier ni. Quand tu es orgueilleuse, ça vient d'où? Ni ba fanga la be boy biroj manam. Nenene. Quand tu parles de ça là. Il va même voir Jésus là. Et même qu'elle en a tête de parler depuis là. Amen, Jésus le comment faire. C'est-à-dire on n'a même pas encore bougé. Amen, ta yore si fara. C'est de même qu'elle là qu'on parle. Amen, Jésus le comment la tête. Mais Dieu là il regarde quelqu'un. Amen, Jésus du monde plein. Amen. Amen. Bien aimé. Madame. Détrompez-vous. Aka bossera djougounikam. Détrompez-vous. Aïe bossera djougounikam. Il a mis oreille là. Aka tlone bla. C'est pour que tu entends. Pour qui est comment mais. Il a mis bras là. Aïe brandi. C'est pour que tu soulèves quelque chose. Dans tout ce qu'il a mis sur toi là. Il a un rôle à jouer. Dieu peut pas fabriquer ton corps. Et puis c'est dans ton corps là. Il a mis ton cœur. Et puis tu laisses carrément corps là cadeau. Il est faré une toi. Mettons vous. Tu sautes, tu viens sur le cœur. Il veut pas garder du sous cam. Que Dieu regarde le cœur. Que Dieu regarde le cœur. Matigue mais du sous le fleur. Et ton corps là. Il farit deux. Toi tu vois pas corps là. Il te farit franta. Amen. Amen. Bien aimé, tu vois pas le corps. Madame, il te du sous fleur. Détrompez-vous. Il farit fleur haut. Répentez-vous. Bossera du unicam. Bien aimé. Madame. Jésus n'aime pas les mèches. Jésus, mèche m'a dit Jésus. Amen. Amen. Ils ont arrêté de te mentir. Aucun garantie à t'ablayer. Regarde. Après, faut pas parler beaucoup. Moi, faut payer ta Bible. Il t'a Bible ça. Et puis faut lire. Ah, Bible cara. De Genèse. Genèse là. Jusqu'à l'Apocalypse. Faut attacher Apocalypse là. Ils vont te parler de mèche. On met la mèche comment finir. Toi femme qui porte pantalon. Moussa met pantalon d'eau. Jésus n'est pas dedans. Jésus t'a là. C'est clair. Tu es là. Toi qui portes collant. Il a mis collant de mousseau. En réalité là. Tu es là, yare. Jésus n'est pas dedans. Jésus t'a là. Si tu veux. Libesson. Tu prends. Il va atta. Si tu veux. Il s'en a fait. Faut murmurer. A toi. Mais il préfère pour toi. Il n'est pas murmurer. Il de saisir la parole qu'on te dit là. Son commande n'avait même pas. Et puis tu as les vérifier dans la Bible. Il va ta Bible ta kakara. Et puis tu as voici ses voix aussi. Il va ta ni galon non ni tieno. Amen. Amen. Bien aimé. Madame. Dieu pouvait dire. Mais ça te passe qu'après. Qu'il mène deux chemins devant toi. Alors c'est la fleur le blé n'y a fait. La vie et la mort. C'est là que le carré. Mais lui il te conseille. Avec mes fouillénam. Regarde ce qui se passe. Avec la fleur mime. Il dit. À quoi? C'est lui qui met les deux chemins devant. Alors il sera flan blagné fait. Les deux chemins là. À sera flani. Il a mis propre. Et puis il a mis mauvais. Amen. Amen. Il pouvait pas mettre bon là. Parce qu'il t'aime non? Parce qu'il cocada non? Il pouvait mettre pont là seulement. Et puis mauvais il voulait lever même à côté. Mais il a mis pont. Et puis il a mis mauvais. Et puis lui dit ce qu'il lui te conseille. C'est bon là lui te conseille. Qui est heureux l'état?
Amen. Amen. Mais le nous sommes venus ici matin. Ah, non, non, on n'est pas venu caresser les choses. Amen. Ce que tu sais pas là. Amen. Ou bien ce que tu sais. Amen. Ou bien ce que tu as. Tiens, Jésus n'est pas dedans. Moussa dit tiens, mais son nom de Jésus Tara. Ma soeur, madame, tu m'aimes mèche. Il va mèche du coup. N'a pas remarqué. Il m'a la déjà. Quand tu te bats avec ta camarade là, il va quelqu'un qui t'aime, Moussa. Quand vous battez là, n'a pas quelqu'un. Regarde. Après, même si tu as beaucoup de cheveux, pourquoi il va avoir mèche? Et mèche du coup, quand tu portes des cheveux comme ça, là, tu dis ça de toi mais ta force. Ça te fait mal. Mais tu supportes. Amen. 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 Mais tu n'as pas remarqué. Il va là déjà. Quand tu mets mèche ta tête. N'est pas mèche de Kuna. Regarde. Après. Quand tu te bats avec ta camarade. N'est pas quelqu'un qui t'aime. Quand elle attrape les mèches là comme ça. N'est pas mèche de mener. Automatiquement. Il va au Ramna. On dirait quelqu'un qui est paralysé. Il va un bébé bruit là. Tu ne peux plus rien faire. Il te sait qu'à quoi il te tourne. On a dit c'est t'envoyé à gauche. Parce que n'importe qui n'avait tenu qu'elle fait. Tu t'en vas à gauche. Il est à Oro là. C'est t'envoyé à droite. Tu t'en vas à droite. Il est à Kirimboro là. C'est quoi tu fais ça? Mune baké. En réalité là, tiens là, les mèches qui sont sur ta tête là, ce sont des serpents. Ça ou le dos. Amen. Amen. Ce sont des serpents. Mèches, ça ou le dos. Parce que les serpents là sont connectés à ta chair. Bah ça nous veut donner pour une nuit qu'on a ici là. Donc du coup là, avec toi quand on attrape les mèches, non, mèche nous, on a l'impression que c'est ta chair qu'on tisse. On joue une nuit même. Amen. Amen. On a l'impression que c'est ta chair qu'on tire. Amen. C'est pour ça que tu te bats avec ta camarade là. Quand elle t'envoie ici, c'est là-bas que tu t'envoies. Quand elle t'envoie ici, c'est là-bas que tu t'envoies. Quand elle t'envoie devant, c'est là-bas que tu t'envoies. Ton bras là, mais ça peut plus faire geste. Tu es comme ça maintenant. C'est ta tête là qui bouge. Parce qu'en réalité là, les serpents là sont connectés. Donc ça te fait mal. Amen. Amen. Bien aimé. Madame. Les mèches que tu as là. Les mèches que tu mets. Perruque. Perruque. Tissage. Cela ne vient pas de Dieu. On te voit Jésus là. Parce que quand tu me dis, quand ton pasteur te dit, il est passé quoi? Donc quand tu es en Jésus là, ni même Jésus là, tu peux pas t'entretenir quoi. Il te dit qu'il est grand quoi. Donc quand tu es en Jésus là, ni même Jésus là quoi. Il faut rester sale quoi. Il te donne tu ne peux pas t'habiller quoi. Il te dit qu'il est grand quoi. Bien aimé, madame, la personne qui te dit ça, moi ma fouille, ton pasteur qui te dit ça, il a passé ma fouille. Il t'a jamais aimé. Aïe commandé. Amen. Amen. Il t'a jamais aimé. Aïe commandé. En réalité là, tu es là. En réalité là, tu es là. Tu peux être comme Jésus. Il va se cater Jésus là. Et puis tu vas être propre. Il va s'ennuyer. Mais ça dépend de la manière. Abe bon tu vas na. Que tu vas être propre. Il va la que tu vas na. Bien aimé. Madame. Propreté ça là. S'ennuyer tu vas ni. Propreté exagéré ça là. S'ennuyer tu vas quand tu m'as d'accord. Si Dieu voulait. Ni ma sainte m'a fait. Il allait te créer comme ça. Atmer il planté. Amen. Amen. Bien aimé. Madame. Il a créé Adam et Eve là. Adam et Eve Adam. Adam et Eve mais les pas venir pour toi. Au mal à nous manier. Amen. Amen. Elle n'est même pas venue pour d'oreille. Amen. 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 Adam et Eve là. Adam et Awa. Tu as vu ses cheveux non? Il faut qu'on c'est pas mèche. Mèche tout à c'est pour elle-même. Oh, right, c'est pour dire. C'est nature même là. Tu es là. Pas même ta cheveux. Il faut qu'on s'y pas obligé de courir derrière mèche. Il ne sait pas pour les mèches quoi. Tu n'es même pas obligé de même venir. Il manque à venir. Tu n'es même pas obligé de même. Demain, elle rouge à lèvres. Bien aimé. Madame. Je te pose une question. Mais ma carte finie. Toi femme. Il est monsieur de toi. Toi garçon. Il est tiens. Tu pousses ta femme. Il est monsieur de toi. Surtout toi garçon. Tu pousses ta femme. Il est monsieur poussé. Tu dis moi j'aime. Il va comme ma femme là, elle est jolie. J'aime comme ma femme est claire. Mais fait comme monsieur. J'aime comme ma femme brille. C'est pas tu la pousses à faire ces choses là. Il est levé monsieur pousser canicule. Elle te pose une question. Mais la question qu'elle me pose moi. Depuis que tu es né là. Mais depuis où là? Depuis quand tu as vu usine de maquillage. Il est qu'à usine de maquillage là. Il est ce coquillé. Amen.
Amen. Depuis que tu es né là. Depuis où là? Depuis que tu as vu usine de vernis. Il est qu'à usine de vernis. On voit pas. On attend. Mais on paye seulement. Amas Sandoro. On voit pas. On t'a aidé. Mais on paye seulement. Amen. Amas Sandoro cadeau. Amen. Amen. Et quand tu demandes à la vie. Nika Musa Nyinga. Elle dit je m'entretiens. Baba y re, comment y re de l'an. Je prends soin de ma peau. Mère en Paris de l'an. Amen. Amen. Toi tu dis que je prends soin de ma peau là. Il est pas au pire pas dit là. En réalité là. C'est une malédiction que tu anticipes. Il est là hier quand. Donc tu veux dire quoi? Il va pas tu ramener. Jésus qui t'a créé là. Jésus qui dans tu ramener. Il n'a pas pris soin de ta peau. Amen. Il parle de là quoi. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends? Et si va maintenant. Jésus qui t'a créé là. Jésus me dans. Pour qui t'a donné là? Aïe Farid me dit ma. Il n'a pas pris soin de ta peau hein. Amen. Farid là quand il toi tu prends soin de ta peau. Il est bien hier à Paris de lancer ça. Tu entretiens ta peau. Il est bien Paris qu'il n'y en a pas. Qui va se négliger? Je n'ai pas à négliger. Je m'entretiens. Ne ben hier à de lancer. Laisse-moi te dire. Mais comment ton entretien qui t'a dedans là? Il veut être là ni mon ami. Arrête ça dès maintenant. À table assis ensemble. L'argent de ça là. Ni ouari ni. Faut pointer à faire commerce. Il va être à commerce qu'elle. Faut pointer à vendre. Il va être à diokunkel. Faut pointer à faire autre chose. Il va être à couvrir canaille. Bien aimé. Mal depuis janvier. Depuis janvier ou là 2022. 2022. Jusqu'à présent. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui janvier là. D'ailleurs ni pi. Les filles qui sont commandées. Moi, mon caturumu. Les filles qui sont commandées. Moi, mon sang, mon caturumu. L'argent qu'elles ont pour s'entretenir. Quand avoir une takata turu. Si on a collé l'argent. Non, quand avoir une paranyonka. Ça peut faire magasin. Avec ça, magasin job. Ça peut conteneur. Avec ça, conteneur job. Ça peut voiture. Avec ça, mobilisa. L'argent qu'elles ont pour s'entretenir. Ça mis ça caturu. On parie de retien. Depuis janvier là-bas. Depuis janvier là. Jusqu'à janvier maintenant. Jusqu'à Nissan. Ça peut payer voiture. Avec ça, mobilisa. Amen. Amen. Mais je dis. Ma peau. Tu t'entretiens là. Il veut y aller de la nan. Tu t'entretiens là-haut. Il veut y aller parler de la nan. Tu vas mourir là. Il veut en sani. C'est les pecs qui ont mouillé pour que tu entretiennes. Tout le monde est parler de nous. C'est-à-dire même si tu as mis 1 million. Ah, n'est qu'un million qu'elle doit là. Depuis que tu es né. Jusqu'à présent. Faut casser Pima. Jusqu'à ta mort. Faut ni ça. Si ça fait 3 millions. Là, n'a qu'à voir 1 million ça. Les 3 millions là. 1 million ça va. C'est cadeau. À quelle fouille. C'est les fourmis qui ont mouillé ça. C'est les chenilles qui ont mouillé ça. En réalité là. Ce n'est pas la peau qu'on nourrit. Ce n'est pas la peau qu'on entretenit. Parce que la peau là. Farine. La peau qu'elle a là. Farine flair. On dit c'est poussière. Avec poussière les. Non, ça va rester. Avec la tuya. En réalité, ce que tu dois entretenir. C'est ton âme. Inni. Voilà. Voilà. C'est ton âme là. Inni ne. Tu dois faire tout. Il va que gagner. Pour que ton âme là. Il va pour que ni il soit en bonne forme. À quelqu'un hera là. Pour que ton âme soit en bonne forme là. Il gagne ni qu'à hera sera. Il faut faire des choses bien. Il faut faire niramon. Il faut faire des choses sans péché. Il faut faire des choses droites. Fais niramon que mon gagne. Fais les choses normalement. Mon ben fait sera niramon que. Fais les choses propres. Min niramon sani en fait sani man. Mais chaque jour. Il est. Tu manges 5 000. Il va voir qu'un dom. Tu as payé poulet. Il va acheter ça. Tu as mangé. Il va au dom. À midi. À midi. Et Gaba. Il va checker ça. Le soir. Vous la faites. Tu t'as au glacier. Il va ta glacier là. Tu as la fait glace. Il va ta glacier ça. Tu as mangé frites. Il va la frites dom. Amen. Amen. Tu finis là. Ibana. Tu t'en vas dormir dans le climat. Il va ta la climat d'ailleurs. Mais tout ça là, le plaisir là. Ni père de Dia. C'est pas autre chose que tu fais ça. Fais un attaque de. Ça ton corps attaché. Avec qui il fallait la drogue. Maintenant ton âme là. Il nie. Ça fin. Ni comment bien ni là. On te voit tu es gros comme ça. Il y a un point tu comme là. On te voit tu as grossi. On va voir qui boya na. Mais en réalité tu es mort puis tu es là. Il sera faux ici là. Amen. Amen. C'est pour ça il y a des gens qui quand ils se battent. Ni mort d'obéir. Il y a des gens qui sont là à discuter avec quelqu'un. Non mais quelqu'un non ma maman qui ne. Ils disent lui il faut le laisser. On va voir ni toi. Lui il est déjà mort puis il est là. À Sarah Kabapi avec. Oh lui il faut le laisser. Ni toi ni. Il se promène dans ses cueils. Ah ben il y aura des cueils. Tu vois son amusement. Ah il a cotoron. Mais c'est ce que la personne voit qui te dit. Parce qu'avec lui il ira où le fruit n'ira. En réalité c'est ce que la personne voit qui te dit. Avec lui il ira n'abord le fruit n'ira. En réalité tu m'as. Il veut faire un tilam. Tu manges. Il veut dominicain. Tu parles. Il veut kuma. Tu danses. Il veut donc. Mais tu es mort spirituellement. Ni na isara kaba. Amen. Amen. Et puis la meuf. Mais vignalement. Quand on dit quelqu'un vit là. On va pas mettre Nina. C'est le spirituel qui est bon. Nina ne voit pas qu'il vit là. Donc si toi tu es mort spirituellement. Ni sara Nina kaba. Et puis physiquement tu vis là. Et puis physiquement Nina fangana il va Nina. C'est que toi ta mort là n'est pas loin. C'est qu'il sara manja. C'est pour ça qu'il y a les gens ils sont malades. Mort d'obéir manquene. Il peut faire trois mois de maladie. Obé c'est kakaro sabake banana. Il peut faire mince. Obé fassa.
Comme tu le regardes, il va affler. Et puis tu dis là, c'est fini pour lui. Et il va voir qu'on pas dans ça. On peut plus rien faire pour lui. Je sais qu'à faire, on a quand il est tout. Là, non. Et puis les lâches, on le voit. Jusqu'à 4 mois. Jusqu'à 4 mois. 5 mois. Carré le en réalité, là. Tiens, il est grand mort là-bas. Maintenant, c'est son faux col là. Un faux col le béyara là. Qui lutte maintenant. Une fois qu'ils ont appuyé le bouton là-bas. Non, qu'un bouton digital. Ici là, il est mort. Abana. Amen. Amen. Bien aimé. Mariamon. Poulet que tu manges là. Il veut s'aimer de moi. Que tu manges là. Il veut dominer le bain. Tu ne fais pas plaisir à quelqu'un. C'est ta peau là tu nourris. Il va sur le glanadron. Tu es rassasié. Il fera. Ton ventre est gros. Il connaît Boyana. Tu mets sucrerie là-dessus. Il veut sucrerie du faraka. Il dit. Ah, il n'est pas là. Il attend demain. Il veut s'aimer qu'on a tout. Amen. Amen. Mais en réalité là. Mais tiens là. Ton âme là. Il est. A faim. Mais si ton âme a faim, ni nina, c'est que toi-même c'est grave. Et l'âme là, c'est comme une lumière. L'âme là, c'est comme une lumière. Comme au fur et à mesure, quand tu nourris ça, c'est comme une lampe. Avec comme lampe, ça éclaire. Avec manette, ça éclaire. Avec yoro ben la main, ça éclaire. Avec yoro ben la main. Mais au fur et à mesure, nettement, tu nourris pas ton âme. Il te hérite ni. Tu ne donnes pas la parole à ton âme. Il te masaka kuma di ni. Tu ne lis pas la Bible. Il te méprise kara. Tu es beaucoup, tu es rempli de péché. Il me fait là. Au fur et à mesure que tu es dans péché, parce que maout malé ben drumuya là. La lumière la diminue. Lumière tu es dans péché. La lumière a diminué. Les gens mensonges, jamais c'est leur travail. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils mangent. Pourtant, mensonge, c'est péché. Imagine, tu manges combien de fois par mois? Il va dominer la carotte à Saint-Jean. Tu mens combien de fois par mois? Il va garantir que ça encore quand on connaît un jour. Tu mens combien de fois par mois? Il va garantir que ça encore quand on connaît un jour. Au fur et à mesure que tu mens, tu m'as tout malheur garantir. Ça diminue. Il va devoir ici. Au fur et à mesure que tu insultes, il va devoir parler au moron ni. Ça diminue. Il va devoir ici là. Au fur et à mesure que tu critiques, tu m'as tout malheur moron encore fois. Ça diminue. Il va devoir ici là. La lampe là diminue. Il calme pas mais diminue. Ton âme là. Il n'y met aucun para. L'éclat de ton âme diminue. Il calme ni maramara bécia. Ça diminue. Abé doraya. Ça diminue. Abé doraya. Ça diminue. Abé doraya. Une fois que c'est éteint, n'a fera la kabam. C'est mort. Il sera. Amen. Amen. Mais la seule chose qui peut faire éclairer ça là. Mais c'est qu'il n'y a madame. La nourriture de ton âme là. Il n'y a ni qu'à dominer mien. C'est la Bible. C'est de lire la Bible. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, tu donnes la nourriture à ton âme. Ton âme grandit. Ton âme grandit. Ton âme éclaire encore. Ça éclaire. Ça éclaire. C'est que tu t'en vas à l'église. Quand on doit prêcher, non, mais faut quand l'heure de prêcher arrive, on dit on va manger la nourriture solide. Tu penses que c'est vrai une nourriture? C'est pas vrai une nourriture hein. En réalité là, sur la terre ici là, la bonne nourriture là, c'est la Bible. Bible est dominée. C'est la parole de Dieu. Bible est ninga dominée. Amen. Amen. Bien aimé. Madame, si tu manges la parole de Dieu chaque jour, Bible caralombe, il n'y a rien. Faut y il n'a rien. Faut y il n'a rien. Faut y mais. Tu es péché. Il va là. Tu es ici. 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 Il va là. Tu es dans le péché. Il va. Chaque jour, tu es dans le péché. Il va durer mouta la lombe. Bien aimé. Madame. C'est normal que ton âme va mourir. Oh, quoi ça, il n'y a pas qu'à ça. Et quand tu es mort et puis tu marches. Ni va ta mana. Tu es mort et puis tu marches. Il s'arrête ta mana. Tu es mort et puis tu marches. Il s'arrête ta mana. Dès qu'il y a petit palam net. C'est la petite de Béidoron. Tu es à l'hôpital. Il va te tenter là. On dit non, ils ont blessé Madou. Il a Madou blessé. Non, Madou est tombé. Madou Borakapé. Il a donné un coup de poing, il est tombé. Il a coup de poing de Madou Mabé. Souvent, même on dit qu'ils l'ont poussé seulement, il est tombé. Il a poussé Dora Borakapé. En fait, la personne était déjà mort. Ouais, tu es tout Sarakapa. Amen. Amen. Son âme était déjà mort. Bien aimé. Madaman. Qu'est-ce que tu fais pour sauver ton âme? La religion là, ne peut pas sauver ton âme. L'église là, ne peut pas sauver ton l'église âme. La seule personne qui peut sauver ton âme, c'est la parole de Dieu. Si tu veux aller au ciel, il suffit de mettre la parole de Dieu en pratique. Bien aimé. Madaman. Réponds-toi. Et puis viens à Jésus. Na yesu fait.
Il n'y a pas d'autre chemin. Il dit il est le chemin. La vie. La vérité. Tu cherches quoi encore? Les trois choses là. Tu as besoin de ça pour vivre. Amen. 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 Bien aimé. Madame. Village. Amen. Amen. Quand tu viens dans un village, tu es perdu dans le village. Je ne te prends un exemple, terre à terre. Quand tu viens dans un village, et puis tu demandes, demande dans tel quartier. Pardonnez-moi, montrez-moi le chemin. Amen. Amen. C'est de ce chemin qu'on te parle. On va se de prier. Il va dire faut prendre ce chemin là. On va finir que cela faut aller là-bas. Arriver là-bas là. Ni cela y enfer. T'es arrivé. Il veut assez. Amen. Amen. Quand tu arrives, quand tu as fini de prendre le chemin. Ni cela mita. En vérité, quand tu arrives maintenant au carrefour. Ni cela carrefour là. Tu es obligé de demander encore. Il veut ce que je n'ai pas carrefour. Je dis ici là. Ya. Yeah. C'est quel carrefour? Carrefour doit le nier. Les personnes sont obligées de te dire la vérité. Parce que où c'est que tu t'es en voyage là? Si ils t'ont pas dit la vérité, il y a un nom qu'on t'a dit là-bas. Donc ici là, ils sont obligés de te dire la vérité. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit avant que tu viennes là? Ça soit vérifié. Que tu sois sauvé. Amen. Amen. Bien, mais donc tu as déjà pris le chemin. Il est tu as besoin de la vérité. Il est bien instruit. Être bien situé. Maintenant la vie là. C'est que tu arrives à destination maintenant. À destination de où tu t'en vas. Amen. Amen. Moi tu peux continuer. Fonakaou. Pomme pour la soeur madame. Oui, tiens, elle est. Pas qui barra du mal et mien. Annie Berom Nani. Je ne sais pas si je suis un homme. Musso tana kacha c'est un ka ko chama bla musso parla oye muye musso wara nani no ma beni do era borola wa ko ne no hande ni musso ma meshi do wa ko se ba se yire dlan sa ibera nani cheka ite ti yire dlan ite se kata lo kata meshi ta ki kun ka meshi do ikuna ifa ma wuri kata meshi sa ifa ma nyashi do nyena ibe so ni fara de borola ka do ise na Okmasa, na sera dem ta ibe ifera itikiri boya na sa mo boro la. Ni ba ta ma sisa. Ibi era boya mo boro. I jusu fana na iba ko ile nyonte. No bi la dem ma sa ba ko pale ka dia ti jusu atu. Mu dunia dia le bi jusu la. Ni se na dia ja dia la. Ibi na ma sa ye. Oko se Yesu ko kwanga na fo muso onye na. Muso ka meshi dabla. Muso ka fosil dabla. Muso ka soni fara dabla. Ki lo ti ba ra na ni muso tate. Qui va te mousser taille? Bébé, comment? Mais ce qu'a fait? Quoi, tu as l'air qui va tirer? Tu as des mecs à quoi, Aaron? Yasuko, comme Moïse, ni même la bête, ou bien la baraque, ou bien la mou black à barala. Aaron a deux, ou l'ouka à la kilotido. Avant qu'il a tiré le west, qui est double là, ou caleçon. Caleçon, ben mien, ni à ton, ni à ton, avec ta corona, ou cassé qu'il n'y en a. Moi, comme nous sommes à la kilotido. Musa est un japonais. Musa m'a un pantalon d'eau. Moi, ma valeur, la mort, mon magasin, la quoi, Musa a pantalon pays. Musa pantalon taille. Tu as pantalon taille. Musa m'a un pantalon d'eau. Ben ballon. Mais bicle n'a c'est un camoron, n'y a pas. Massacre à Kumaka. Cablalek à Kumaka ça. Musa, c'est un quoi. Musa, mais c'est un coulant d'eau passé. Musa d'abord, il a préparé à Mikama. Comment il est Musa ignorant? Il est Adama d'un temps. Il va ouvrir qu'il est préparé. Quand il voulait ni qu'elle voulait l'homme là, on va sur qui l'a-t-il bena? Non campé, n'est un qui l'a compté. Mais ben Robert ni qu'à qui l'a-t-il do? Aïe, quelqu'un m'a quelqu'un au Jésus-co qui va danser le latte. Parce que ni massacre mi fond ni mason la danser le bico. Ni massacre mi fond ni mason la danser le bico. Musso manga ka pantalon do, musso manga ka kilotti do, musso manga ka string do, musso manga ka chiter ou chiffon bala, parce que ni ka chiter do, chiffon ba kono, ni chiffon ba kono, y a garantie galale. Parce que ici, ma bokase ramna,
soutiens fan mais ni jam qui a que est-ce que nous singapour de maintenant on a fini pour la scène avant sur la scène il dissipe il te au te calendrier dans le calendrier oh tu nous mouilles pas parce que masak il t'en chouana il doit être à toi chouana mousso mousso a parlé de son ni père c'est un capare mais ni ma fera mourra pas quoi ne pas série ne pas ramener ne te mourra pas ne te mourra nani mourra tu nous mouilles ne connaît juste moi dimite ne connaît. Même si je suis sur ma dame, je suis un pasteur. Même si je suis un pasteur, je suis un église. Il est soutenu. Il est un pantalon. Il est un mini-jibouto. Boîte de l'eau, maquillo. Question. Mais il est un église. Il est un mini-jibouto. Il est un pantalon. Il est un boîte de l'eau, maquillo. Question. Je suis un mini-jibouto. Il est ma famille, il est soutenu. Quand on est deux baptisés là, on confirme là. Donc, je suis baptisé, consacré, chrétien évangélique. Chrétien évangélique, je suis baptisé, je suis consacré. Chrétien catholique, je suis baptisé, confirmé. Mais, je suis pas un nininga sur ma dame, non. Il est ma moussotenta. Premier, on a parlé de ma foi, courant de jupon, c'est-à-dire que nous sommes avec un jupon d'eau. On parle de mes jupons d'eau. On parle de mes pantalons d'eau. Au mec, il a dit d'eau. Il est moussé de toi, qui va être à l'église là. Il est reculé à Jésus d'eau. Il va ouvrir qu'à qui a dit d'eau. Qu'à pantalon d'eau. Qu'à mini jupon d'eau. Il va être à l'église là. Bâtir de l'eau bien, ma kilo. Question. Jésus va venir à son bénin. Allez, bâtir de l'eau bien, ma kilo. Parce que quand il y a mort, il y a un peu de mini-jibouto. On ne peut pas plaqué. On ne peut pas être plaqué. On ne peut pas être plaqué. Mais il y a qui met à l'église là. Il y a un jibou. Il y a un signe là. Il faut passer à Bika Kourousie. Il y a qui met à l'église là. Il y a Yesu Dewa. Mais il y a un parce que quand il est à l'église, tu es baptisé, confirmé. Il est baptisé là, il est confirmé là. Il est confirmé, baptisé, consacré là, Matama. Il est consacré à Yesuma. Il va créer des bêtes à l'église là. Il va mini-chip des bêtes à l'église là. Il va pantalon des bêtes à l'église là. Et puis, le pasteur, a fait un peu de bibou connaît. Comme Moussa Manga a pantalon d'eau, avec bibou connaît. Moussa Manga a mini-chip d'eau. Moussa Manga a pelle d'eau à Kuna. Moussa Manga a smani d'eau. Moussa Manga a chaîne d'eau. Il est John Jumani. C'est un cachon à John Cachon. Parce que John a ma fini là. Ni wuru bi fa chokono ni da fa ka wuru ka yara ile muneke ibe sheni do akana ibe sheni do akana ka siriju tabakuru la bi yiri do la meni le kretien to ile ka sheni do akana iko jo le bi sama pase yi pase ko yi pase yesu ko ko le te sheni fa mena le ko te sheni fa azem i ka boze abe se ki ka sama na ya bi ba kata yara bela o ko te ni pola igrizi a te be ka boze ni kono. Pourquoi ça n'a qu'une samanichane du cannabis samanichane dans ta boîte du cono? En ta barre du cono, il met ta orola, il met sa caméra de tigre, faut italien, il met sa drame, faut italien, il met sa drame, faut italien, parce que il banne, il fait sa kumana. Ni qui banne à barre bonnet, dans le bico, ni pas son yesu kakumana, dans le bico, dans mousso, be pantalon d'eau, mousso, be mèche d'eau. Mousso mousso be simanito, mousso mousso be perukito, mousso mousso be kilosito, kastrinto. Il a ni bora du koko gambe kuma ka funya mbadi ma mousso. Seke do bara, seke mba ko fe ibe ni beka ni ka ni beka seke mba ko fe. O ko kite Yesu ye. Don si ni Yesu te ye. I do ka pantalon do dabla. Ni Yesu te ye, i do ka meshi do dabla. Ma funya be se ka nne ni bi. Mais si ni Yesu be na funya na. Jésus, comment appelle Ézéchiel 3, Ézéchiel 3, Sabbat. Tant Sabbat, tant Nani. Tant de quoi, ni qu'à mourir, ni qu'à nous non, mais c'est la joue, ni beaucoup de quoi, et pas la joue, non, c'est la majorité, il va être majorité, majorité. Comme de ce qu'à mourir, ni toi, de ce qu'à mourir, mal au béjolie, quand tu vas me faire de mourir là. Jésus, qu'à quelque chose, maman, long. Au cas où on prend des pécats, ni à Jarama, ne prend pas finir. Quand Jésus, quoi, il est chrétien, mais je dois d'abla. Il y a chrétien, souvent du dos d'abla. Il y a chrétien, chaîne du dos d'abla. Faux ongles d'abla. Fossile d'abla. Talon d'abla. Parce que dit qu'à talon d'eau,
Ibe wasole, ibe fayere la, ibe tama ite morosie tuni, ile kere nebe moraye. Ibe fayere no kuma ife kuma ora tesoro. Kone ya, menye la jana ni meram na mia, nyongante. Dan yesu kwa kana okira le la saima. Kwa kere tia wa aya dabla. Pase ni ka jipute, ni ka mini jipute, ni ka pantano to kata eglise la. Ale kwa kwa ale ka bote bwa denye. Ale ka bote makiye. Dan ni ka meshito. Ma finyana ni bora ni dikuko ko kan itana yesu ye chebe mi mo le finyana bi ni bora dikuko ko kan ni sa mi cheni ni ka bijou nu ni ak bagi nu ni ka gourmetie ni ka bouk d'oreille ni ka soumandi et trola ni ka talon ni ka cycliste ni ka colon pa ni ra ka colon de fana ibe fani dota ka fani sote ko play ko no braka mena bobra mi ka boy ko fani ibe black pum 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 andre toni ni chemi a plein ni chemi qui est capable ko ev ni sumuru ka bobra ka bonde na ya mi dero a hakiri la ko ni bobra na tu ka ka ken sumure a ye ya ke che jurumuta ni che sara jurumuna abeta jana mana ila ka zo ila ta jana mana de be se ka ta ajina na do muso be jurumu chama ke muso ba ke che be do jurumuna lombe muso bo disu blakene ma ko si blakene ma ni chemi ka ya ko e ni ni sumuru singa bonde ni ne te sia ni kanin so ka kan ibe ika ka che ka juru mu leta na te se ka ira fo ka fo ma ko yesu ja fo ma ma lo i jori kan ko ni o te sara no juru mu ye ibe ika do lata jana ma kono don se te be muso ta ka mo la se jana ma kono ma fu nyana ba ma muso je ne be fu nyana pa se ni ka fini do ni ki sim la kene ma ki bo bra bra kene ma i wo to ka bo I say jere, ibo be black element, ni kamera ka ye ni chokola, ali chokola ba mi yere forote wuri. Na ka sumuru nyama ye, aba ko koma nyetara, ni sumuru ka kwote da mbe bubara fle. Da na ko bubara fle, chokola ba ka kaseri ke ka jene ye beke seri la. Ile kere kama, ot le kere kama, ni chokola ba sarabita jahana mana. Da ile me tama, ile me muneke, ile me setala ka barali ke kwa be, ki ira de pantalon na, ki ira de kilotu la, ki bobra black elma, ki isi black elma, no ma voko on veste la leur jeunesse. Le parent, quand nos parents ils étaient petits la, nos mamans la, elles n'ont pas mis leur corde, elles se sont mariées. Anga mo, anga bau, ok mo kat mana tmana, o mo isi black elma, o mo bobra black elma, o furu la. Il a mis Bobra ni si ou black elma, ka mo ka jurumutara et d'or kata. Donc il a kala, c'est un ka avion de sitan. C'est un ka privusida kala. Il a mis Bobra black elma, ki si ou black elma, ka to ka mo black elma, ka jahana mana. Donc yesu koko ya bo sera jukuka. Yesu koko mousso, i mousso dento, mousso mousso, na be pantalon do, na be kiloti do. Il a mek manke yon finyana. Madame, il n'y ka baso la. Aya fa ma bade ma chaw. Me mek ma kere fanyana. Ni mousso be pantalon do. Ni che be pantalon do. Ni mousso be kiloti do. Ani ma fa. Ana ba do ka. Ma do ka nga finis la ka. Ima fle. Na be so kone. Ni ka kere fanyi mousso ma be flapo. Ni ka kere fanyi mousso ma be flapo. Oko bibu ko. Yesu ta kuma ko. Ko mousso bu ma jiki che ye. Ko che le patron ye. Me bit le na setan ko yo. Ko muso ite se ke joye ni ka ni chi ni che ka kele fo plafo ni che ka sa ba fo nani fo parce que avant ya kwile sa kale ya ile te sa ide le mo kole do ni muso to ra o magic barrier la na sa rate masaye ba fu nyana muso na ba je aja aba che dalam na kuma na sa rate matigiye mo o be se ka fo we se ka sra ka bebo o be se ka fo mbe ke ni kan ko ni muso kan ko ni atetaji na yesu ko amile le chien pa nyana parce que ni ba chien pa mo nyana bi i siri la o bi fo ni ro metese ka chien pa ro la no bi siri bi o i siri bi ni mo ko be se ka nna ni bi o i nna bi me chien le funya madam ni mi ji majiki chien ye o ko se sister ni ka demso ni ta ba ke muso mi kala rebelle muso te majiki chien o ba ke demso be ka bandi e kamboro la katela Musa ka majik ma bari o le ba ke te muso ka bandie parce que na bora chela ni masi mi majik chee i de mi be fana fla o bi la je fana ni le ti majik afa chee ni kuma i de fana ati la me ile ko i de la me tuaj me ni la majik ni chee chee de mi la ba de tuaj me to ki la ti don ne ba ke fana muso obete
il va qu'il a tout dit fini quoi. Oh oh, ni n'a fini là. Est-ce un problème la mousse autre était fini de mousse autre était qu'il a tout. Oh, parit meilleur. Comme série. Salut, tu m'en es boy. Masaka, comment mousse à magic chair? Mousse auto magic chair. Mousse au cas où nous nous cachons. Ni check au père de la coche, il est au plat. Ni check au sabre, il est au temps. Et puis il est au compte. Mais il dit magique, il est magique, il est magique, il est de d'abord, c'est quand il est là, je suis banado, il est peut-être dans là. Il avait mis comme matériel, ni faire. Est-ce que matériel est dans là? Donc, il y a ce qu'on a au chien de Fagnan sur madame. Parce que le chien de Béli, non, mal, non, 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 sarate, au thème massaillé. Donc, Moussou, mi ben, mi ben, fait qu'à Fagnan, on l'a nié. Madame Moussou, aïe, qui l'a tué d'abla. Madame Moussou, aïe, pantalon d'eau d'abla. Madame Moussou, aïe, smani d'eau d'abla. Madame Moussou, aïe chéri d'eau d'abla, aïe méchit d'abla, parce que ni ça, ni n'a yesu talade, avec Bible qu'on a, tu es chrétien, tu as entendu la parole de Dieu, et puis tu dis non, chez nous là, nous on est comme ça, quand on dit chrétien, c'est à cause de Jésus, on nous appelle chrétien. Quand si tu appelles, si tu appelles le nom de Jésus, il faut te soumettre à la parole de Dieu. Si tu ne te soumets pas à la parole de Jésus, si tu meurs là, tu ne vas pas voir Jésus. Jésus, tu n'aimes pas les boucles d'oreilles. Parce que je vais te dire pourquoi il dit ça. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont quittés en Égypte, là, ils sont venus avec leurs boucles d'oreilles. Ils sont venus avec leurs or de l'Égypte. Quand Moïse est monté à la montagne, Moïse a fait 40 jours. Les ramassis qui étaient au milieu des enfants d'Israël, ils ont dit à Aaron de faire un veau d'or pour eux. Quand ils ont fait le veau d'or là, le veau d'or, ils sont venus, ils ont dit: ah Israël, voilà ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte. Hey, ça c'est une abomination. Donc depuis ce jour-là, quand ils ont enlevé les bouts d'oreilles, ils ont enlevé les chaînes, ils ont fait un veau d'or. Dieu dit c'est là maintenant là. C'est fini comme ça. Personne ne va porter bout d'oreille, personne ne va porter chaîne, personne ne va mettre or sur lui, personne ne va mettre diamant sur lui. Parce que quand tu mets sur ça là, il te dit que tu as un Dieu étranger, tu as un autre Dieu que tu mets sur toi. Parce que quand tu mets bijoux là, tu es contente. Quand tu mets boucle d'oreille, tu es contente. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu te dis, hey, moi je suis jolie. Je suis jolie. Ah, hein. Donc, ça, c'est à cause de ça, Jésus dit que personne ne doit porter, les femmes ne doivent pas porter bijoux. Et puis quand tu ne sais, tu n'es pas venu avec bijoux dans ta main. Dieu est capable de tout faire. Quand un bébé naît là, il allait mettre petit boucle d'oreille dans sa main, et puis il allait percer son oreille. Mais quand la fille vient, comme garçon vient là, les oreilles ne sont pas percées. Maintenant, Satan dit aux Africains, aux hommes, quand une femme vient là, pourquoi on reconnaisse la femme et puis garçon, on doit percer l'oreille. Donc Satan a inspiré les grands-parents de percer les oreilles. C'est encore en pas de bon, en fait mal, ni mousseau nana, ni ourela, ni mousseau. Pourquoi mourir alors qu'on n'y est mousseau, ni est tché, il doit être trop soir. Ni qu'à mousseau trop soir, c'est ça, on va alors qu'on n'y est mousseau. Mais beaucoup de téléphones, il y en a. Moussa dit tchè, ah non, il fit ni, moi je suis moussa, moi je suis tchè. Non, je ne suis pas là, il n'y a pas de moussa, si ma fait, tchè, si ta fait. Tchè, moussa, pour pas de bouyani tchè, ou bien autant on a comme moussa. Mais c'est un peu comme le mandi massaïn, ni mandi yesue, ni on me mandi yesue, c'est un peu comme moi, bon, les quais. Bi kamele don, ni koye, ou bien pas fini ou le dos. Quand on a un pantalon de sang, 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 on a un pantalon de. Donc, il y a ce qu'on ici, moi, les femmes, il y en a pas de mamousso. Mais là, il n'y a pas de femmes, il y en a au nom de Jésus. Mais il n'y a pas de femmes, il y en a pas de machin. Massa, il y a un mousso qui est un gardien. Il y a un mousso qui est un gardien.
Il va se faire pour vous. Il va être là tout le Il va être là pour vous. Il va être là Il va Florence faire. Au baby pour ça, ben vous dites que tout le monde est là. Ni tout le monde est là. Ni tout le monde est là. Ni ça a été matrié. Mais je suis en train de me faire un peu de la fin. Parce que nous avons une belle, une belle, c'est un peu parlé. Parce que depuis ma salle, Antani, Adamani Awada, Ama Mousso Fladan, Ama Mousso Kere de Dan. Alléluia. Sans maintenant, qui va être mon bec à Fagnon, le Dieu, je suis dans la Comoïrila, à nous le Kama. Ni moi, je suis là, je suis capable, je ne sais pas si je suis là, ni bien je suis fait. Après, je suis ma vie, sans maintenant, mais soyez là, je suis là. Pour qu'il y ait dialectique, ni pas dialectique, ni pas dialectique, mettez à Ijinena. Ni son Yesu là, quand Yesu Kakumama, qui m'a dit Yesu, il va dire Aïdjinena. Yesu le Estraye, Yesu le Echeye, Yesu le Nye, ni son Yesu là, on le Nye sur Madana, Bayamao, Mutu m'a fait sur Madana, Mutu m'a Yesu Baka Fayan sur Madana, on qui m'a demandé Nye, on a de Yesu. Amen. Alléluia. Peuple de Fona, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, demain soir, nous avons une projection de film à partir de 18h. Bien aimé, il faut venir, tu vas voir. Peuple de Fona, viens, tu vas regarder. On va mettre film. Tu vas regarder. Tu vas écouter ce qu'ils m'ont dit. Et puis, à partir de là maintenant, tu vas prendre ta décision. On n'a pas dit de venir faire autre chose. Viens seulement, tu vas regarder. Demain à partir de 18h au carrefour, à ce carrefour là, venez et puis vous allez voir. Venez, si toi tu as les problèmes, quand tu dors tu vois que tout le temps on te poursuit, ou quand tu dors tu vois que il y a quelqu'un, il y a un homme qui vient te visiter là, viens. Après d'avoir regardé le film là, on va prier pour toi. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. Il est temps maintenant pour toi de choisir le chemin de Jésus. Parce que si tu n'as pas choisi ce chemin aujourd'hui, demain tu vas regretter. Jésus te présente ce chemin en nous envoyant te dire que la vie que tu es en train de mener aujourd'hui là, cette vie là n'est pas à sa gloire. Toutefois qu'on mène une vie qui est hors de la parole de Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas dans le règlement de Jésus, on pêche contre Dieu. Et cela, lorsqu'on meurt, c'est là qu'on voit les conséquences. N'attendons pas de mourir avant de regretter ou avant de dire si je savais. C'est pendant qu'on est vivant qu'on doit donner notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, le Seigneur Jésus t'appelle. Il t'appelle en ce jour. Il t'appelle pour que ton âme soit sauvée. Le Seigneur Jésus est mort pour que toi, tu ne meurs plus. Il est mort pour te délivrer du péché. Il est mort pour te libérer du péché. Parce que c'est le péché qui nous tue. C'est le péché qui nous condamne. Jésus est mort pour te libérer du péché. Donc le Seigneur veut que tu l'acceptes. Que tu acceptes sa main tendue. Il ne va pas descendre lui-même pour venir te tendre la main. Mais c'est ses serviteurs et ses servants qu'il envoie devant de toi. Pour te parler, pour te dire la vérité. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien aimé, ce que nous sommes en train de dire, c'est une pure vérité. Mais si toi tu as accepté cette vérité, tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Toutefois que tu entends ces paroles, ne reste pas en train de murmurer, ne reste pas en train de raisonner. Mais tu dois poser la question, tu dois poser la question à Dieu. Est-ce que ce que j'entends c'est vrai? Est-ce que ce que ils sont en train de me dire là, ça vient de toi? Il faut demander à Dieu. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis, on n'a plus le temps à perdre. Le Seigneur ne veut pas que ses enfants, nous qui sommes créés à son image, on soit précipités en enfer. C'est à cause de nous qu'il a versé son sang. C'est à cause de nous que son sang était versé à la croix. Il s'est déplacé de son trône. Il a abandonné son trône. La Bible dit, il s'est humilié lui-même pour nous racheter. Il s'est rabaissé. Il s'est rabaissé jusqu'au sol pour nous racheter de nos péchés. Parce que nous sommes connus, nous étions condamnés autrefois. Oui, nous étions autrefois condamnés. Nous étions autrefois vendus par le péché. Autrefois, nous étions vendus.
on n'avait pas la possibilité d'accepter Jésus. On n'avait pas la possibilité d'entrer au ciel. On n'avait pas la possibilité d'avoir la vie éternelle. On n'avait pas la possibilité d'avoir le salut de Dieu. Mais aujourd'hui, depuis 2000 ans, le Seigneur Jésus, le Dieu créateur de l'univers et de la terre, a fait un grand sacrifice pour toute sa création, pour toute sa créature, créée à l'image de Dieu. Toi qui es créé à l'image de Dieu, c'est pour toi que Dieu a versé son sang. Il a versé son sang pour que tu sois sauvé. Bien aimé, il est temps pour toi d'accepter Jésus. Il est temps pour toi d'accepter Jésus. Il est temps pour toi de quitter le péché. Il est temps pour toi de te séparer du péché. Il est temps pour toi de te réconcilier avec ton Dieu. Parce que Jésus, lorsqu'il est venu mourir, c'était pour nous réconcilier avec Dieu. C'était pour nous réconcilier avec lui-même. Lorsque nos parents ont péché, et lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes éloignés, nous sommes déconnectés de Dieu. La Bible dit, le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Il ne cohabite pas avec le péché. Tout ce que nous péchons, tout ce que nous commettons le péché, on se déconnecte, on s'éloigne de Dieu. On se sépare de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait le dire dans le livre de Ésaïe. Non, la main de l'Éternel n'est pas sous coude, ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. Mais ce sont nos péchés, ce sont nos crimes qui nous séparent de lui. Ce sont nos péchés qui mènent barrière. C'est nos péchés qui font que lorsque nous crions à lui, il ne nous attend pas. Bien-aimé, si tu veux expérimenter véritablement Jésus, accepte-le. Éloigne-toi du péché. Commence à te déconnecter de lui. Commence à te déconnecter du péché. Commence à te déconnecter du monde. Commence à te séparer du monde. Commence à te séparer du monde. L'amour du monde ne peut pas nous conduire au ciel. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Un seul amour qui est pur. C'est l'amour de Jésus. C'est l'amour de Jésus. Bien-aimé, Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur de l'humanité. Jésus est le sauveur de l'humanité. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Si tu n'as pas Jésus, tu es malheureux. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien sur cette terre. Si tu n'as pas Jésus, tu es vide. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, n'importe qui peut jouer avec ta vie. Si tu n'as pas Jésus, n'importe qui peut jouer avec ta vie. La manière dont un enfant peut prendre un bidon vide pour jouer avec, c'est ainsi qu'on peut, on peut jouer avec toi. Mais si le bidon est rempli, la maman ou le papa ne peut pas permettre à l'enfant de jouer avec le bidon. Bien-aimé, si tu n'as pas Jésus, tu es comme un bidon vide. On peut te chuter comme on veut. On peut te balancer ici comme on veut. Accepte Jésus. Il n'y a rien dans ce monde. Il n'y a rien dans ce monde. Ce que nous voyons aujourd'hui là, c'est la mort qui est derrière. Les pratiques que nous voyons aujourd'hui, les adorations, des fétiches, toutes ces choses là, c'est la mort qui est derrière. La finalité, c'est la mort. Lorsque nous sommes en train de commettre bien-aimé, le Seigneur t'aime énormément. Autrefois, tu ne savais pas qu'en faisant ces choses-là, ce n'était pas bon. Toi, femme, le Seigneur Jésus a un message pour toi. Femme mariée, le Seigneur Jésus a un message pour toi. Pareil aussi pour toi, l'homme, le Seigneur a un message pour toi. Il dit, toutefois que tu laves les vêtements de ton mari, pour toi, femme, toutefois que tu laves les vêtements de ton mari, et que par hasard tu trouves un billet de 1000 francs ou de 500 ou une pièce de 100 francs dans ces vêtements que tu lavais, faut pas prendre pour mettre ça dans ta poche. Faut pas prendre ça pour mettre ça sur toi. Il faut garder. S'il vient là, tu lui dis, ah chérie,
voici, je lavais tes habits, voici ce que j'ai trouvé dedans. À lui maintenant de te dire, il faut prendre. Mais si tu prends derrière lui, sans que lui-même il ne te donne, c'est du vol. C'est du vol. Si tu as trouvé l'argent dans la poche de ton mari, et puis tu ne lui donnes pas, tu prends, tu bouffes, c'est du vol. Ou si ton mari t'envoie au marché, il te donne l'argent de popcorn, l'argent du marché, tu vas, tu achètes ce dont tu as besoin, et puis la monnaie là, quand tu viens là, au lieu de lui remettre là, tu empoches. Ou bien quand tu t'en vas là, tu fais je retiens, tu achètes ce qui est moins cher, et puis tu fais je retiens, tu mets ça dans ta poche, c'est du vol devant Dieu. C'est du vol. C'est du vol. Si tu viens, tu finis de faire le marché. À ton arrivée, si ton mari n'est pas là, tu gardes la monnaie. S'il vient, tu dis, ah, voici quand je suis allé au marché, j'ai fini de faire les achats. Voici le reste de l'argent. Ou soit tu lui demandes, ah, voici le reste de la monnaie, mais j'ai besoin de pour faire telle chose. J'ai besoin de ça pour faire telle chose. Donc bien aimé, pour toi aussi l'homme, ta femme a attaché son argent au bout de son paille. Mais à cause de la boisson, parce que tu aimes beaucoup boire, tu aimes fumer. Quand tu ne fumes pas dans 30 minutes là, tu ne peux plus te contenir. Donc tu t'en vas, tu sais qu'elle met son argent au bout de son paille. Ou bien elle met son argent dans le tiroir. Tu t'en vas derrière elle. Et puis tu prends aussi l'argent de ta femme. C'est du vol. C'est aussi du vol. Tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas prendre, il faut que ta femme soit au courant. Ou faut que ton mari soit au courant. Si je suis pas au courant, que tu prends derrière lui, c'est du vol. Si tu as déjà fait ça, il faut dire la vérité à ton mari. Il faut dire la vérité à ton mari. Parce que si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Si tu meurs dedans, tu ne verras pas le ciel. Toi, parent, le Seigneur t'a donné des enfants. Tu as commencé à donner, à coiffer tes enfants avec des coiffures mondaines, des deux taux, des trois taux. Je ne sais pas. Tout ça. Le Seigneur dit, les coiffures mondaines que tu mets sur tes enfants là, lui là, ça ne me plaît pas.
il n'est pas dedans. Il te dit d'arrêter de faire des profits mondains sur tes enfants. Il dit d'arrêter de mettre les bijoux sur tes enfants. Que ce ne sont pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants. Tu ne sais pas comment il a fait pour les former. Il dit ce que tu entends les faire là, d'arrêter ça. Tu mets les bijoux sur tes enfants. Tu baisses les oreilles de tes enfants. Le Seigneur dit d'arrêter ça. Il dit d'arrêter ça. Tu ne sais pas comment lui il a formé l'enfant et puis il l'a envoyé au monde. C'est vrai, c'est dans ton ventre qu'il a passé. Mais tu ne sais pas comment est-ce qu'il a formé l'enfant dans ton ventre. Donc toutefois que tu fais cela, tu es en train de détruire l'âme de l'enfant. Tu es en train de tuer l'âme de l'enfant. Tu es en train de conduire l'âme de l'enfant dans le feu. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. À arrêter ce que tu es en train de faire. Parce que si tu n'arrêtes pas, un jour tu vas le regretter. Il va te demander compte. Il va te demander des comptes. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à changer de vie. Le Seigneur Jésus t'appelle à changer de vie. Toi, parent, ta fille, au lieu de lui faire porter des vêtements de femme, tu t'en vas acheter des pantalons, des collants pour lui faire porter. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Parce qu'en faisant ça, tu es en train de vendre l'enfant au diable. En faisant ça, tu es en train de livrer ton enfant. Et demain, quand il va grandir, il va partir de garçon en garçon, ou elle va partir de garçon en garçon, ou il va partir de femme en femme, c'est pour dire, c'est pour commencer à parler mal de l'enfant. C'est pour commencer à l'insulter. C'est pour le maudire. Oh, c'est toi qui as débuté cela. C'est ce que tu l'as enseigné dès sa naissance, dès son bas âge. C'est ce que tu l'as enseigné. Au lieu d'acheter des vêtements décents pour tes enfants, tu t'en vas acheter des mini-jupes, des collants collés, des placalis pour habiller tes enfants. Et puis ils sont comme ça, ils sont dedans. Toi, tu es content, tu as habillé l'enfant comme ça. Dieu dit, tu es en train de détruire le corps et le temple de son enfant. Parce qu'en faisant cela, tu es en train de vendre l'enfant. Tu es en train de vendre l'enfant au diable. Tu entends le dire au diable, c'est ton enfant, il faut le prendre, utilise-le. Et demain, quand l'enfant devient gentil, c'est toi le même encore qui veut parler. C'est toi le même encore qui veut prendre, qui veut te plaindre. Demain, quand l'enfant va t'envoyer des grossesses, c'est toi la même encore qui va te plaindre. Le même encore qui va te plaindre. Or, quand tu partais au marché, là, il y avait les habits décents, hein. Il y avait les robes, il y avait les jupes. Mais tu as laissé ça. Tu dis comme c'est ma fille, je vais acheter pantalon pour elle. Je vais acheter collant pour elle. Tu t'en vas, tu achètes et puis tu lui donnes. Demain, l'enfant devient autre chose, tu te plains. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Il t'appelle à changer de vie. Le Seigneur dit, nos enfants là, on n'a qu'à les éduquer selon sa parole. On n'a qu'à les enseigner. On n'a qu'à les élever selon sa parole. Mais si tu élèves ton enfant selon le monde là, l'enfant va devenir rebelle. Il va devenir autre chose. Il serait paresseux. Il serait têtu. Il va même être sorcier. Parce que le monde, l'éducation du monde là, ça n'a rien à voir avec l'éducation de Dieu. L'éducation du monde, quand tu éduques ton enfant selon le monde, ton enfant va réagir selon le monde. Parce que le monde, ce que nous voyons dans le monde, la méchanceté, la colère, l'impudicité, la fornication, la duplicité, la sorcellerie. Si tu enseignes ton enfant, tu éduques ton enfant comme ça, ne sois pas étonné, ne sois pas surpris demain que tu vas entendre que ton enfant est sorcier. Et puis une chose encore qui détruit les enfants. Toi qui as acheté télévision, quand ton enfant commence à pleurer, c'est quoi les petits humains pour lui donner petit regard. Le Seigneur dit, en faisant cela là, tu es en train de vendre l'âme de ton enfant. Tu vends l'âme de ton enfant. En faisant cela, tu livres ton enfant au diable.
Quand des petits, des séries animées, où les chafous, tu vois dedans, on dit les super-héros, les divins, Superman, Mama Man, tout ça là, les absents du diable, les sirènes, tout ça là. Quand vous laissez les enfants regarder là, la nuit là, c'est ce qu'ils font aussi. La nuit là, ces enfants là se retrouvent à bas de l'eau. Ou la nuit là, ils sont en train de s'envoler. Ils s'envolent. L'enfant qui est innocent, il ne sait rien de la vie. Toi qui t'en vas, tu achètes ton mèche et puis tu mets sur tête de l'enfant. Parce que toi-même, tu ne veux pas être sauvé de un. Tu ne veux pas aussi que l'enfant soit sauvé. Tu penses que l'enfant là, c'est pour toi. Parce qu'il est sorti de toi, tu penses qu'il est pour toi. L'enfant là n'est pas pour toi. Ils t'ont donné cet enfant pour que tu le dis. Pour que tu sois son tuteur ou sa tutrice. Sinon toi-même là, c'est pas toi le vrai parent de l'enfant. Le vrai parent de l'enfant là, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Changez de vie. Les enfants vous exposez comme ça. Changez de vie. Vous êtes en train de détruire les enfants. Abandonnez cela. Arrêtez de détruire les enfants. Bébé, c'est-à-dire ton enfant est né. On ne sait pas ce que tu as. Tu commences à attacher l'enfant comme s'il avait volé. Tu attaches son cou, tu attaches sa hanche, tu attaches son poignet, ses pieds. Tu l'attaches comme s'il avait volé. Bien aimé, peuple de Fona, détachez vos enfants. C'est quel médicament ça? Médicament où on attache cou de l'enfant, on attache poignet de l'enfant, on attache rein de l'enfant. C'est quel médicament ça? Arrêtez ça. Tu es en train de tuer ton enfant sans le savoir. Tu es en train de détruire ton enfant sans le savoir. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Parce que si vous faites ça, l'âme de l'enfant crie contre vous. Quand vous faites ces choses-là, l'âme de l'enfant la crie contre vous. Parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le spirituel. Vous êtes en train de tuer l'enfant, croyant que vous êtes en train de le soigner. Dieu qui l'a créé là, est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas le soigner? Est-ce qu'il a dit qu'il ne peut pas le protéger? Vous qui lavez aussi vos enfants avec les os des animaux, arrêtez ça. Arrêtez de laver vos enfants avec des os, des animaux, poris, singes, toutes sortes d'animaux. Les os de serpents. Arrêtez de laver vos enfants avec ces os. Parce que vous êtes en train de les détruire. Demain, quand l'enfant devient têtu, tu commences à l'insulter. Tu commences à le maudire. Changer de vie. Changer de vie. Pendant qu'il fait jour, pendant que tu vois encore clair, il faut commencer à mettre de l'ordre dans ta vie. Il faut commencer à changer de vie. Il faut commencer à détacher tes enfants parce que tu les as liés. Pour un gros rien comme ça, parce que tu as trop l'argent, tu vas acheter des chaînes, des balles, des gourmets pour mettre ça sur l'enfant. Pour quelle raison? Déchargez. Déchargez-le. Arrêtez ça. Tu t'en vas chercher des dieux étrangers pour mettre sur la tête de ta fille. Tu penses que l'enfant là c'est pour toi? Tu penses que l'enfant là c'est pour toi? Tu es tuteur. À cause de ces choses-là, plein d'enfants sont perdus. Plein d'enfants sont perdus. Ils sont en train de crier à cause de ces bêtises-là. La manière dont l'enfant est sorti naturel de ton ventre, le Seigneur veut qu'il n'a qu'à rester comme ça. Il n'a qu'à être naturel. De la même manière, il n'est pas venu avec bout d'oreille. Il n'est pas venu avec chaîne, coumet. Il n'est pas venu avec des cordes d'oreille, des cordes de poignet. Le Seigneur veut qu'il n'a qu'à rester comme ça.
arrête de détruire l'enfant. Tu ne soignes pas, tu ne soignes pas. Mais tu es en train de le détruire. Chez toi, tu es en train de rendre ta fille belle. Ou ton fils beau. Mais c'est une malédiction. Tu es en train de le détruire. Tu es en train de détruire l'enfant. Or, la Bible dit, notre corps là, le corps que nous avons là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est dedans Dieu doit habiter. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une maison faite de main d'homme. Ça veut dire la maison que l'homme a construit là. Dieu ne peut pas venir vivre dedans. C'est ce que lui-même il a construit là. C'est dedans lui-même il vit. C'est dedans lui-même il doit vivre. Notre corps là, c'est Dieu qui l'a construit. Tu ne sais pas comment il a construit ce corps. Toi au moins tu sais comment tu construis une maison. Mais ce que Dieu a fait là, ton corps là, tu ne sais pas comment est-ce que Dieu s'est arrangé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a? Quelles sont les matières qu'il a dû prendre pour créer ce corps? C'est vrai, il a pris la terre. Mais tu ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. Et puis, le corps est devenu un être vivant. Tu ne sais pas comment il a fait. Il dit le corps là, c'est ce temple. C'est sa maison, c'est là où il doit habiter. Bien aimé, si Dieu n'habite pas en toi, tu vas en bouche. Si Dieu, qui est ton créateur, lui qui voit toutes choses, lui qui connaît toutes choses, s'il n'habite pas en toi, tu vas en bouche. Ça veut dire le chemin est tracé tout droit. Et puis toi, tu laisses le chemin, tu prends un autre chemin, à gauche. C'est ça le dit, c'est ça le dit, tu vas en brousse. Parce que si toi, en tant qu'un être humain créé à l'image de Dieu, et que Dieu doit vivre en toi pour te montrer le chemin, pour te mettre sur le droit chemin, et que par tes œuvres, par tes actes, Dieu n'habite pas en toi, que c'est Satan et ces démons qui habitent en toi, c'est que tu vas à gauche. C'est que tu ne vas pas chez Dieu. C'est que tu n'es pas en train de partir chez Dieu. C'est que tu n'es pas en train de partir chez Dieu. Mais il faut que Dieu vive en toi. Il faut que Dieu habite en toi. Pour te mettre sur le chemin. Pour te conduire sur le droit chemin. Si Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Si l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Jésus n'habite pas en toi, tu ne peux pas aller au ciel. Tu vas marcher comment? Tu sais c'est quel chemin que tu as pris. Or c'est lui, quand lui il est en toi, c'est lui qui te montre, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te dit fais ça, c'est lui qui te dit fais ceci, c'est lui qui te dit va ici, c'est lui qui te dit faut pas partir ici. Mais bien aimé, lorsqu'on n'oublie pas, lorsqu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique, lorsqu'on veut suivre le monde, c'est les démons qui nous guident. Oh, les démons, leur objectif, leur projet pour les hommes, leur projet, c'est que les hommes là, ils soient jetés avec eux. C'est que les hommes là, ils aillent à la perdition avec eux. C'est que les hommes là, soient séparés de Dieu. C'est que les hommes là, ne connaissent, n'arrivent même pas dans la demeure de Dieu. C'est que les hommes là, faut pas un jour, ils vont voir le portail du paradis. Ça, c'est leur objectif. C'est leur projet. Alors, si toi tu dis, le monde est doux, parce que c'est eux qui gouvernent le monde. Hein. C'est le diable qui gouverne le monde avec ses démons. C'est le diable qui gouverne le monde avec ses démons. Alors si tu es conduit par eux, tu vas à la perdition avec eux. Pour voir le ciel, pour rentrer au ciel, tu dois te laisser habiter par l'Esprit de Dieu. Et pour être habité par l'Esprit de Dieu, il faut accepter Jésus. Pour être habité par l'Esprit de Dieu, il faut renoncer au monde. Pour être habité par l'Esprit de Dieu, il faut te déconnecter du monde. Pour être habité par l'Esprit de Dieu, il faut haïr le péché. Il faut haïr le mensonge. Il faut haïr le vol, l'impudicité,
l'alcool, la cigarette, pour être habité par l'Esprit de Dieu, il faut fuir le péché. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous déconnecte de Dieu. Il y a plusieurs types de péchés. Le péché, il y en a plusieurs types. Le péché, il y en a plusieurs types. Aujourd'hui, on pense que pour aller, pour avoir une femme, il faut aller à la mairie, forcément. Aujourd'hui, on pense que on appelle, on dit telle personne, c'est ma femme. Celui-là, c'est mon mari. Celui-là, c'est ma femme. Celle-là, c'est ma femme. Celui-là, c'est mon mari. Mais c'est où? C'est où tu l'as marié? Ce n'est pas derrière la maison. Lorsqu'on croise une fille dans l'obscurité, qu'on dit c'est ma femme, même si elle vit avec toi, même si vous avez fait des enfants, c'est pas ça, on dit c'est ma femme. Dieu ne voit pas ça comme ta femme. Hein. Dieu ne voit pas ça comme ta femme. Quand tu t'avais croisé une fille dans l'obscurité, tu te caches derrière sa maison, ou bien elle est couchée, et puis toi, tu prends quand tu tapes sa fenêtre, elle fait sortir sa tête et puis tu lui dis, faut me trouver au dehors. C'est pas ça qu'on appelle, c'est ma femme. Ça là, c'est l'impudicité. C'est la fornication. Même si elle est venue habiter chez toi, c'est pas ta femme. Même si elle dort dans ta maison, elle dort sur ton lit, c'est pas ta femme. Parce que tu n'as pas rempli les conditions que Dieu te demande. Pour qu'une personne soit ta femme, ou pour qu'une personne soit ton mari, va d'abord payer la dot. Va d'abord payer la dot. Sinon, quand tu croises une fille dans le noir, une fille dans la rue, et puis tu dis, ma chérie, je t'aime, ma chérie, je veux et toi, et donne-moi ton numéro, c'est pas ta femme. Quand tes amis vont te demander là, faut pas dire c'est ma femme. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est un péché devant Dieu. Vous n'êtes pas en règle devant Dieu. Et si vous mourrez dedans, vous n'allez pas voir Dieu. Vous n'allez pas voir le ciel. Si vous mourrez dedans, vous n'allez pas voir le ciel. Donc, pour ne pas en arriver là, pour ne pas dire un jour, si je savais, pour ne pas dire un jour, si je savais, tu dois aller doter ta femme. Tu dois aller demander la main de ta femme à ses parents. Tu dois remplir les conditions que Dieu te demande. Avec Jésus, avec Dieu. Dieu ne veut pas deux femmes. Un homme pour deux femmes, Dieu n'est pas dedans. Un homme pour trois femmes, Dieu n'est pas dedans. Bien, mais si toi tu faisais, tu arrivais déjà trois femmes, deux femmes, il faut faire la restitution. Il faut changer, il faut te repentir. Parce que ce que tu es en train de faire, Dieu n'est pas dedans. Parce que lorsque Dieu a créé la femme, la Bible dit, c'est de la côte de l'homme que Dieu a enlevé la femme. Il a enlevé une côte, des côtes qui sont ici là. Lui, Dieu, il a enlevé une dedans pour former la femme. Or, tu as plusieurs côtes. Si Dieu voulait que tu aies trois femmes, deux femmes, il pouvait enlever les deux, vous pouvez enlever les trois. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? La nature nous enseigne. Tu as deux bras, tu as deux pieds. Tu n'as pas quatre femmes, tu n'as pas trois femmes. Pour toi là, c'est comment? C'est comment pour toi là? Une femme, un homme. Dieu a dit dans sa parole, il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Bien aimé, revois pour toi là. Parce que tu n'es pas dans le règlement de Jésus. Tu n'es pas dans les règles de Jésus. Avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Avoir plusieurs femmes, c'est un péché.
Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Aujourd'hui, tellement les choses ont évolué. On a tantôt dit, pour avoir une femme, il faut aller avec elle d'abord pour voir son comportement, pour l'étudier. Ah bon? Toi-même, tu as fini de t'étudier d'abord avant d'aller étudier quelqu'un. Il faut l'étudier, il faut voir si elle a un bon comportement. Pendant ce temps, tu couches avec elle. Abomination. Repends-toi. Tu as fini de t'étudier toi-même d'abord. Même toi-même, tu ne te connais même pas. C'est l'homme que tu veux connaître. C'est un péché. Aller avec une femme sans payer sa dot, c'est un péché. C'est un péché. Mon frère, si tu faisais ça, il faut changer de vie. Si tu faisais ça, il faut changer de vie maintenant. Parce que ce que tu es en train de faire là, si tu meurs dedans, tu vas mordre tes doigts. Tu vas mordre tes doigts. Tu vas mordre tes doigts. La Bible dit, si un homme séduit une vierge et qu'il couche avec elle, il payera sa dot. Mais toi, depuis que tu as commencé à séduire les femmes de Fronan, tu n'as même pas encore payé la dot de une, mais tu couches avec eux seulement. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Il t'appelle à changer de vie. Je vais vous poser une question à vous, mes mamans, à vous, mes soeurs. Les mèches que vous portez là, c'est par rapport à quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une mèche? Pourquoi est-ce que tu mets mèche sur ta tête? C'est par rapport à quoi? C'est pour devenir quoi? C'est pour faire quoi au juste? C'est pour qu'on voit quoi? Pourquoi est-ce que tu portes une mèche au juste? Parce que toi-même, tu t'en prends des choses, tu mets sur ta tête, tu ne sais pas ce que tu mets sur ta tête, mais tu mets quand même. Tu te mets ça pour quoi? Si je te demande, quand tu manges là, tu manges pour quoi? Tu vas me dire quoi? C'est parce que tu as faim. Mais mèche là, tu mets ça par rapport à quoi? Mèche que tu mets sur ta tête là. Tu mets ça par rapport à quoi? Toi-même, tu as tes propres cheveux, hein? Ça y est là. Et puis tu n'as pas encore d'autres. Tu mets sur ta tête. Tu mets ça par rapport à quoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu portes. Parce que les autres ont mis. Ou bien on a dit, les blancs là, comme ils ont les cheveux longs, non, nous aussi on veut avoir les cheveux longs, non. Pour toi, pour les blancs là, ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes même pas dans le même pays, même d'abord. Vous n'êtes même pas sur le même territoire. Et ils sont où ils font frais là-bas. Toi, tu es où il y a chaleur. Vous n'êtes pas la même chose. Mais ce que tu es en train de mettre là, c'est pourquoi? Parce que quand tu mets ces mèches, non seulement tu as la visitation la nuit, c'est-à-dire un homme vient coucher avec toi, ou soit tes semelles sont troublées, tu es poursuivi, ou soit plusieurs personnes sont avec toi, on t'appelle de gauche à droite, ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie, c'est-à-dire toi pour toi là, c'est devenu promesse. Ah, tu as appelé à te marier, mais pour toi là, tu vends ça. Si tu ne sais pas pourquoi tu mets mèche aujourd'hui, hein, il faut enlever. Enlève ça sur ta tête. Enlève les mèches là. Tu portes bijoux là, c'est pourquoi? Est-ce que quand Dieu t'a créé là, il a dit que tu n'étais pas belle? Ou bien il a dit que tu n'étais pas belle? Tu portes les bagues là, c'est pourquoi? Les bagues que tu mets sur tes doigts là, c'est pourquoi? C'est par rapport à quoi tu mets les bagues? Les bagues que tu mets sur tes doigts, les chaînes que tu mets au cou, c'est par rapport à quoi? Je vais te dire, quand on met chaîne au cou, dans le monde ici, là, dans ce monde où nous sommes, là, c'est à quel animal on met chaîne au cou? Vous voyez souvent, quand vous partez dans la cour fermée, on écrit sur le portail ou bien sur le mur, attention.
un chien méchant. Et quand il rentre là, le chien est enchaîné. Il est enchaîné pour ne pas qu'il fasse des dégâts. Mais toi, tu n'es pas chien, tu es un être humain, tu m'enchaînes par rapport à quoi? Chaîne que tu mets au cou là, c'est par rapport à quoi? Tu es devenu chien maintenant. Tu es devenu chien. Même chien, même, ils sont un peu civilisés maintenant. On met plus, on enchaîne tous les chiens comme ça. Maintenant, toi, un être, tu es créé à l'image de Dieu. Tu t'en vas au marché. Gaillardement, parce que tu as assez d'argent, tu sais plus ce que tu vas faire avec. Tu t'en vas acheter des chaînes. Et puis, tu portes, tu es content. Tu es en train de faire la belle vie. Mon ami, ce n'est pas la belle vie que tu es en train de faire. C'est la mort que tu appelles. C'est la mort que tu évites. C'est la mort que tu as aimé comme ça. Parce que si les animaux même qu'on enchaînait ne sont plus enchaînés, maintenant toi qui es un être humain, qui doit rendre gloire à Dieu, qui doit adorer Dieu en esprit, en vérité, tu t'en vas t'enchaîner, c'est que c'est grave. C'est grave. Quand tu mets les chaînes physiquement, chez toi tu vois ça simple, tu vois ça comme ça fait rien. Tu vois ça, tu dis que tu es en train de faire, oui, le chocolat. Tu es en train de faire la belle vie. Ouais, les gens n'ont qu'à te voir que tu as mis chaîne. Mais en réalité, là, la manière dont tu as mis chaîne, c'est comme ça que tu es attaché spirituellement. C'est comme ça qu'il t'a attaché spirituellement. Toi-même, tu t'es attaché. Tu as dit, Satan, me voici. Aujourd'hui, là, mon coup, là, faut prendre. Faut m'attacher. Faut pas y avancer. Faut m'attacher. Toi-même là, toi tu vois même là. Lorsqu'on attache un animal au bois, soit un mouton ou un bœuf au bois, on veut que Béla n'a qu'à faire quoi? Ou on veut que Béla va faire quoi? Quand on attache un peu au bois là, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'il fasse? Qu'il avance. On ne veut pas que le bœuf avance ou le bœuf va loin. Donc on attache au bois. Et puis Béla il tourne là seulement. Il tourne là seulement, il ne va pas loin. Même s'il y avait les vêtements pâturages, il y avait les herbes qui sont vêtements devant lui là-bas, il ne peut pas arriver là-bas parce qu'il est attaché. Mais toi, tu te dis que tu es libre, mais spirituellement tu es attaché. C'est à cause de ça aujourd'hui, là, rien n'avance dans ta vie. C'est à cause de ça, tout est bloqué dans ta vie. Parce que tu as vendu ton corps, tu as vendu ta vie au diable sans le savoir. Toutefois que tu pêches, toutefois que tu as mis avec le péché, le diable a plein droit sur toi. Il peut faire de toi ce qu'il veut. S'il veut aujourd'hui là, il peut te mettre en bas des camions. S'il veut aujourd'hui là, il peut enlever ta tête. Parce qu'il a plein droit sur toi. Bien aimé, quand tu achètes un sac, quand tu payes le sac, le sac est à toi, tu peux faire ce que tu veux dessus. Hein. C'est comme ça que tu t'es vendu au diable. Il t'a acheté aussi. Donc il peut faire de toi ce qu'il veut. Aujourd'hui, tu dis que tu es devenu jeune. Tu viens être à la meute. Maintenant, tu fais les coiffures. Les coiffures des stars. Didier Arafat. Les barracuda tectoniques, deux tons. Tu fais ces coiffures-là, c'est par rapport à quoi? Oh, la Bible dit il est malsain pour un homme d'avoir de longs cheveux. Mais toi, tu as des deux tons. Il y en a même qui sont six tons. Mon frère, la coiffure que tu es en train de faire là, ça ne glorifie pas Dieu. On a été créé à l'image de Dieu, on n'a pas été créé à l'image des hommes. On n'a pas été créé à l'image d'un démon aussi. On n'a pas été créé à l'image d'un frère ou d'une soeur. Mais on a été créé à l'image de Dieu. Donc ce qu'on doit faire là, doit plaire à Dieu, pas aux hommes. Mais si toi tu fais tes choses pour plaire aux hommes, mon frère, ce n'est pas l'homme qui va te juger. L'homme là, quand il va partir là, il va avoir ses deux yeux pour pleurer pour 2 minutes et puis c'est fini.
Mais toi, tu seras face à ton destin. Mon frère, tu penses qu'après cette vie-là, c'est fini, c'est limité. Il n'y a plus rien encore. Après la vie, tu t'es là. Tu penses qu'après ça, c'est fini. Il y en a même qui disent que quand tu meurs aujourd'hui, si tu meurs, tu sors dans un autre pays. Ou si tu meurs, tu deviens un arbre. Ou si tu meurs, tu deviens un animal quelque part là-bas. Mais si tu deviens un arbre, ils vont te couper, te mettre au feu demain. Si tu deviens un animal quelque part là-bas, un jour ils vont te tuer. Mon frère, faut pas que tu vas te tromper. Faut pas te tromper. Faut pas te tromper. Faut même pas te tromper même. Parce que après cette vie-là, c'est maintenant la vraie vie va commencer. Cette vie-là, c'est une vie qui est temporaire. Ça veut dire que c'est une vie qui a un temps. Ça a commencé, ça aura une fin. Mais la vie que tu vas mener après la mort, ça n'a pas de fin. Répands-toi, bien-aimé. C'est la vie que tu vas mener après la mort. Ça n'a pas de fin. Donc, ce que tu, la vie que tu mènes sur la terre, c'est celle-là qui va déterminer ce que tu vas vivre après que tu aies fermé les yeux sur la terre. Si tu as mené une vie de prostitution, une vie de fétichisme, une vie de maraboutage, une vie d'hypocrisie, de mensonge, tu vas passer l'éternité à te le souffrir. Tu vas passer l'éternité en train de pleurer, en train de gémir. Mon frère, il est encore temps pour toi. Il est encore temps pour toi. Regarde, jour et nuit que Dieu fait là, les gens meurent, hein? Faut pas que tu vas dire que toi tu es trop fort. Personne n'est fort. C'est la grâce de Dieu. Si tu vis là, c'est la grâce de Dieu. Et puis si tu entends ces paroles aujourd'hui là, c'est parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi il te dit ça. C'est parce que Dieu t'aime qu'il te dit ça. Si Dieu ne t'aimait pas là, il n'allait pas te dire ça, puis il va te laisser dans ton ignorance. Si tu entends ces paroles là, c'est parce que Dieu t'aime. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est parce que Dieu ne veut pas que tu sois condamné. C'est pourquoi il te dit ça aujourd'hui. Prends conscience. La manière dont un père donne des conseils à sa fille ou son fils, et puis il prend conscience là, c'est comme ça que Dieu est en train de te donner conseil. Il dit le péché là. Le péché là n'entre pas chez lui. Les mèches là n'entrent pas chez lui. Le copinage là n'entre pas chez lui. Tu portes des habits, tête de mort dessus. Tête des animaux féroces. Toi, tu ne sais même pas ce qui est dessus, mais tu portes quand même. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Parce que vous ne savez pas ce qui arrive. Vous ne savez pas quel est le plan qui est préparé pour vous dans le secret. Aujourd'hui, vous apprenez ces paroles. Le Seigneur veut vous libérer. Le Seigneur veut vous délivrer. Changez de vie. Peuple de Fona, le salut est venu vers vous. Le salut est venu à vous. Le Seigneur nous a envoyé vers vous pour vous annoncer que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, demain soir, à partir de 18h, on vous invite à regarder une projection de film. Bien aimé, viens, tu vas regarder. Cela va beaucoup t'aider. Si tu n'arrivais pas à faire un choix, ça va t'aider à faire un choix. Cela va t'aider à faire un choix. Viens demain à 18h. Au carrefour, à ce carrefour qui est là-bas, venez, et puis vous allez voir ce qui va se passer. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom. Et Dieu veille sur vous.